Un petit prince absolument craquant. Alors que de nouvelles photos de lui ont été dévoilées pour son 3e anniversaire, le jeune Charles de Luxembourg a fait fondre tout le grand-duché avec son sourire adorable et ses mimiques. Un petit garçon également très sage, ce week-end, en sortie avec toute sa famille, il a parfaitement géré l'apparition au balcon en compagnie de ses parents. Un jour, il sera grand-duc. Mais pour le moment, si est-il un enfant comme les autres. Absolument craquant avec son sourire édenté et ses adorables mimiques, le jeune Charles de Luxembourg était la star du grand-duché la semaine dernière. Le petit garçon, en effet, a fêté ses 3 ans en famille avec son père, le grand-duc héritier Guillaume, sa mère, la comtesse Stéphanie, et son petit frère François, né fin mars dernier. Les photos de cette journée, qu'il semble avoir passé à jouer au milieu d'un grand jardin, ont été dévoilées sur le compte Instagram officiel de la famille royale. Et le petit Charles y apparaît adorable comme jamais, vêtu d'un pull marron, il souffle ses bougies en compagnie de ses parents et s'amuse à jouer dans les arbres, un grand sourire aux lèvres. Et les internautes ont adoré ces images inédites, entre les milliers de messages qui lui souhaitent un bon anniversaire, certains ont salué la jolie famille qui entoure le garçonnet. Quelle superbe et sympathique famille tellement naturelle, peut-on notamment lire dans la section des commentaires. Ses oncles et tantes n'ont pas réagi publiquement, pas plus que ses grands-parents, mais on imagine qu'en privé, tout le monde a pensé à lui. Une procession puis une apparition au balcon, surtout que toute la famille s'est rassemblée ce dimanche pour une fête religieuse importante au Luxembourg, la clôture de l'octave. Une journée marquée par une messe puis par une procession du clan royal quasiment dans son ensemble pour rejoindre le palais à pied. Et si Charles VI montrait très sage, la main dans celle de sa grand-mère, la grande duchesse Maria Teresa, si est-il son petit frère François qui a cette fois attiré tous les regards. À peine âgé d'un mois, le nourrisson n'a en effet pas quitté les bras de sa maman, que ce soit lors de la procession ou plus tard, sur le balcon. Charles, quant à lui, est resté bien au chaud dans ceux de son père, avec qui il a salué la foule. Parmi les autres membres de la famille présents à leur côté, on comptait les autres fils du grand-duc Henri, le prince Félix, sa femme Claire et leurs 2 enfants, Amalia et Liam, mais également le prince Louis venu sans ses 2 ados Gabriel et Noah. Grands absents, les jeunes garçons étaient sans doute avec leur maman. La princesse Alexandra, récemment mariée, et le prince Sébastien étaient eux aussi absents.